sont assurés. Sont assurés. Entre ses mains. Entre ses mains. Il tient ma vie. Il tient ma vie. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Oh, parce qu'il vit. Ce qu'il vit. Oh, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Entre ses mains. Il tient nos vies. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Éternel, que ton nom soit béni. Nous ne sommes absolument rien sans toi. En vérité, tu es le vrai cep. Nous ne sommes que les sarments. Et si nous sommes debout, c'est par toi que nous sommes debout. Si nous sommes vivants, c'est par toi que nous sommes vivants. Nous n'avons rien de bon en nous. Et si quelque chose de bon a été fait, cela n'a pas été nous. Mais toi, Jésus, qui as bien voulu glorifier ton nom au travers de nous, donne toute la gloire à ton Saint-Nom, que je diminue, que toi seul sois élevé. Nous sommes face à une incertitude. Nous sommes face, Seigneur notre Dieu, à des lendemains incertains. Mais nous savons compter sur toi. Nous savons compter sur toi. Nous voulons être constants nous-mêmes et rester fermes. Les yeux pas sur une église, pas sur un homme, mais les yeux focalisés sur toi. Conduis-nous par ta propre main. Conduis-nous par ta propre main. Conduis-nous. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Et quelqu'un dit Amen de tout son cœur ce matin. Quelqu'un dit Amen. Veuillez vous asseoir. Nous l'aimons, Jésus. J'ai dit, moi je l'aime de tout mon cœur. Ouais, je sais que toi tu attends qu'il te rende riche d'abord, mais moi je l'aime de tout mon cœur. Le simple fait que j'ai le souffle de vie ce matin, cela n'a pas été mes médecins. Quelqu'un me comprend ce matin? Ce n'est pas tes médecins qui ont fait que tu es en bonne santé ce matin. Si tu es vivant et debout, c'est le Seigneur. Et nous rendons toute la gloire à notre Dieu. Nous rendons toute la gloire à notre Dieu. Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2. Je voudrais saluer tous nos frères et sœurs qui nous suivent par tout le monde, qui font le culte avec nous, qui nous font l'honneur de nous suivre. Que Dieu vous bénisse. Très souvent, les gens disent qu'on ne les salue pas, on ne sait même pas s'ils existent, mais je vous salue au nom du Seigneur et toute l'Église vous salue. Nous lisons la parole de Dieu. Nous lisons la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 2, le verset 19. Apocalypse chapitre 2. Amen. Allons-y. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, et tes dernières œuvres nombreuses que les premières. Amen. Amen. Voilà ce que le quatrième homme des Juifs, le lion de la tribu de Juda, celui que la Bible appelle l'étoile brillante du matin, celui qui ne se trompe jamais, celui qui connaît le nombre de tes cheveux sur ta tête. Voilà ce qu'il dit, veuillez vous asseoir. Samuel chapitre 19, verset 23 et suivant. Prenez note, le temps ne nous permet pas d'aller en profondeur. Et si le Seigneur nous fait grâce, nous verrons la suite de ce message ce mardi, si Dieu nous fait la grâce. 1 Samuel 19, verset 23, s'il te plaît, on va gagner du temps.
Et il se dirigea vers Naïoth, près de Rama. L'Esprit de Dieu fut aussi sur lui. Et Saül continua son chemin en prophétisant jusqu'à son arrivée à Naïoth, près de Rama. Il ôta ses vêtements et il prophétisa aussi devant Samuel. Et il se jeta nu par terre tout ce jour-là et toute la nuit. C'est pourquoi l'on dit, Saül était-il aussi parmi les prophètes? Amen. De Timothée chapitre 4. Vous prenez note seulement, le temps ne nous permet pas. De Timothée chapitre 4, le verset 10. Tu vas comprendre l'esprit du message ce matin. De Timothée chapitre 4, le verset 10. Allons-y. 4, 10. Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Et il est parti pour Thessalonique. Oui. Crescens est allé en Galatie. Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Luc seul est avec moi. Merci beaucoup. Levez la tête, frère. Voici le thème de notre message ce matin. Soyons constants malgré les circonstances. Je pensais que quelqu'un m'avait entendu. Soyez constants malgré les circonstances. Frères et sœurs, levons la tête. Sur le chemin de la vie éternelle, quand le Seigneur nous a appelés, parce que la Bible dit en Jean chapitre 15, le verset 1 jusqu'au verset 5, il dit, c'est moi qui vous ai appelés. Ce n'est pas vous qui m'avez appelé, mais c'est moi qui vous ai appelé. Donc c'est le Seigneur qui nous a appelés. Ce n'est pas nous-mêmes, de notre propre chef, que nous sommes venus à lui. Le Seigneur nous a appelés. Il nous a vus tels que nous sommes et nous a appelés. Cela devrait être une assurance pour quelqu'un parmi nous. Ça veut dire que si tu es là aujourd'hui, ce n'est pas par ta force, ni par ta capacité, ni par ton intelligence, mais ce n'est pas la force du Seigneur. Mais ce qu'il attend de toi, ce n'est pas de reculer dès que les circonstances changent. La Bible parle des fidèles. La Bible parle aussi des élus. La Bible parle même des appelés. Trois catégories ou trois types de personnes de la foi. Mais ce que le Seigneur attend de nous, frère, c'est que nous soyons constants. Un homme constant, c'est un homme qui ne change pas. Qui ne vacille pas. Qui ne chavire pas, qui ne change pas selon les circonstances. Voyez, notre Dieu est constant. Notre Dieu est absolu. Et il nous appelle à être constant. À être entièrement constant. On ne doit pas changer. Nous ne devons pas être comme des chrétiens. Thermomètre. Vous savez tous, avec moi, ce n'est pas une révélation. Le thermomètre sert à faire quoi? À faire quoi? À prendre la température. Et quand, à l'époque, c'est vrai qu'à cause des pandémies qui se succèdent, alors aujourd'hui, on demande à ce que chacun ait ça, ait son appareil. Est son thermomètre. Donc si vous allez à l'hôpital et que vous n'avez pas de thermomètre, on va vous demander d'en acheter. On prend le thermomètre, on prend la température d'un voisin, on le secoue à la vieille manière, on le place aussi sous tes aisselles. Là, avec ce monsieur, ça fait 38 degrés. Avec toi, ça fait 37. Le thermomètre change selon les entités et les circonstances. Un chrétien qui est thermomètre, c'est un chrétien qui est voué à l'échec, à la perdition, à l'égarement, qui va échouer. Il peut avoir bien commencé,
Mais s'il n'est pas constant, il n'est pas réglé, il n'est pas attentif, il n'est pas persévérant, il échouera. Le tout ne suffit pas de dire, je marche avec le Seigneur. Mais tu marches avec le Seigneur pour combien de temps? Est-ce que les circonstances, les épreuves, les difficultés de la vie ne vont pas t'amener à changer d'attitude vis-à-vis du Seigneur? En mal surtout. Regardez tous ceux qui suivaient le Seigneur. Ils ont dit à Jésus, nous sommes avec toi. Nous allons périr avec toi, nous allons mourir avec toi. Jésus leur a dit, je vais à Jérusalem. Là-bas, les principaux sacrificateurs vont se saisir de moi. Ils vont me flageller, ils vont me tuer. Mais je vous rassure que le troisième jour, je ressusciterai d'entre les morts. Les apôtres lui ont dit, nous irons avec toi. Pierre a été le plus courageux. Frères et sœurs, le caractère d'un homme a plus de valeur que ses dons. Tu ne m'as pas compris. Je sais que tu entends mal. Non, tu ne m'as pas compris. J'ai dit, le caractère d'un homme a plus de valeur que ses dons, que son rang social, que ses capacités. Ton caractère sera éternel. Tes dons ne seront pas éternels. Tes acquis ne seront pas éternels. Mais ton caractère sera éternel. Le caractère subsistera avec toi après ta mort. C'est pourquoi Dieu veut changer notre caractère. Dieu veut transformer notre caractère. Dieu veut nous amener à mourir à nous-mêmes afin que notre caractère soit le caractère de Christ. C'est pourquoi le Saint-Esprit, quand il est venu pour faire une œuvre. Si nous lui laissons toute la latitude, il va faire une œuvre gigantesque dans notre cœur pour nous amener à être semblables. Vous savez que l'appel de Dieu, le but de l'appel de Dieu sur notre vie, ce n'est pas de nous amener dans un confort. Comme les aventuriers l'enseignent. Ce n'est pas ton confort qui préoccupe Dieu. C'est ta constance, ta fidélité. Est-ce que tu es prêt à être constant? Est-ce que tu es prêt à être ferme? Est-ce que je suis prêt à être ferme, fidèle, attachant au Seigneur, quelle que soit l'adversité, les épreuves, les circonstances peuvent changer. Mais moi, je ne dois pas changer. Je parle à quelqu'un ce matin. C'est pourquoi la Bible parle de fidélité. Le Seigneur parle ici à cette église. Qu'est-ce qu'il dit? À l'église, les sept églises que Apocalypse chapitre combien? Le verset 19 que nous avons lu. Je connais tes œuvres, l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu, dont les pieds sont semblables à des lairins ardents. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Frère, c'est quelque chose qui est absolu. Le Seigneur connaît tes œuvres. Il sait ce que tu fais dans le privé, dans le public, discrètement, au bureau, au travail, en famille. Quand tu es seul, ce que tu fais, on n'a même pas besoin de faire la police derrière toi. Dieu connaît ce que je fais et connaît ce que tu fais. Il te jugera un jour viendra. Il va étaler toutes tes œuvres tôt ou tard. Il dit, je connais tes œuvres. Je connais ton amour. Je connais ta foi. Je connais ta fidélité au service. Et il ajoute, je connais surtout ta constance. Quand vous lisez l'adresse de notre Seigneur à cette église d'Apocalypse, c'est rare d'entendre cette expression, ta constance. Regarde ici, s'il te plaît. On peut être zélé. On peut être un donateur. On peut être fidèle dans ses offrandes et ses dîmes et ne pas être constant avec Christ. L'histoire de Saül. Quand
quand il a rencontré le prophète de Dieu, le prophète lui a dit, Saül, Saül, l'Esprit viendra sur toi, tu prophétiseras. La Bible dit que ce que le prophète a dit est arrivé exactement. Mais un peu plus loin, quand vous allez lire la suite de l'histoire, la Bible dit que Saül a commencé à prophétiser, à exercer un pouvoir surnaturel et divin, instantané sur sa vie. Mais le problème est que, à un certain moment, il s'est arrêté. Et on comprendra pourquoi la vie de Saül va être tragique. On peut bien commencer avec Dieu. Le tout ne suffit pas de bien commencer parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Ce que Dieu attend de toi, ce qu'il attend de moi, c'est ma constance. C'est que je sois constant. Il n'y a pas de vie chrétienne en cascade, en temps de scie. On ne fait pas d'école missionnaire dans la marche chrétienne avec Christ. Vous savez, tous ceux qui ne sont pas constants avec Christ, constants dans la sainteté, constants dans la prière, constants dans la sanctification, constants dans la fidélité, constants en tout avec Christ. Un jour viendra où ils diront adieu au Seigneur. Vous savez, aucun homme normal ne peut dire à sa femme, parce que très souvent c'est les femmes qui subissent les choses, mais aucun homme normal ne peut dire à sa femme qu'il aime vraiment, je peux t'avoir peut-être une, deux journées avec moi, mais les cinq autres jours tu peux rester avec qui tu veux. Ça ne fait pas rire, madame. Aucun homme qui a toutes ses facultés ne peut dire ça. Aucun homme. C'est vrai que le diable a possédé des vies. On parle de polyandrie aujourd'hui. Une femme qui est tombée plus bas que le chien peut avoir deux maris. Un homme politicien, un homme tordu peut avoir deux femmes. Mais pourquoi la Bible dit que notre Seigneur est un Dieu qui est extrêmement jaloux? La Bible ne dit pas de quelque chose d'autre, parle pas de quelque d'autres qualificatifs. Mais dit notre Dieu est un Dieu jaloux. Pourquoi? Parce que Dieu veut que nous soyons constants. Ne marche pas avec Dieu comme un traître, un hypocrite, un loser. Aujourd'hui tu es là, demain tu n'es pas là. Mais tu te trompes. Tu es en train de détruire ta vie et la vie de ta maison. Est-ce que nous sommes constants? Est-ce que nous sommes résolus, déterminés? Est-ce que nous sommes enracinés? On change au gré des circonstances et des humeurs. Dès qu'il y a une situation, on change radicalement. Je ne sers plus Dieu, je ne vais plus me sanctifier, je ne vais plus apporter, je ne vais plus. Mais ce que tu es en train de faire, tu ne frustres personne, ni l'église, ni les pasteurs, ni ton frère, ni ta soeur, ni ton père et ta mère. Tu te détruis toi-même. Toute acte que je pose, c'est contre ma vie. Car je vais récolter tout ce que je suis en train de semer sur cette terre et dans le ciel. Les inconstants abandonne toujours le chemin. Saül, à un certain moment, il a abandonné la voie. À quel stade tu te situes aujourd'hui? Regarde-moi ici. Est-ce que tu n'es pas comme ce caméléon? Aujourd'hui, tu cries Alléluia quand tu es rassasié, tout le monde entend ta voix. Amen! Mais la prière de Dieu est que tu sois constant. Que ton amen soit constant. Ce n'est pas quand tu es rassasié que tu viens vomir ici.
C'est pas quand ton nombril sort que tu viens pour faire passer. Peut-être ta gloutonnerie en criant Alléluia, Alléluia, gloire à Dieu, Amen, Amen. On aurait voulu que tu sois constant. Vous savez, même demander aux commerçants, demander à n'importe quel homme sérieux qui veut prendre soin de sa famille et de sa maison. J'ai demandé à quelqu'un, est-ce que tu veux que le président, peut-être quelqu'un de très élevé dans notre nation, te donne quelque chose de très fort et ne veut plus jamais te rencontrer? Personne ne veut cela. On veut garder des contacts. Il y a des affaires, par exemple, où tu as peut-être 50 millions, mais c'est après, et après les 50 millions, il te faut attendre encore 12 ans, 15 ans, 30 ans. Il y a des commerces où tu as 10 000, 10 000 par jour, 10 000 par jour. C'est mieux que 10 millions une fois chaque 15 ans. La constance a plus de valeur que toute autre chose. Et ce que Dieu attend de toi et attend de moi, ce n'est pas tes apparitions sporadiques. Tu sors ta tête un matin, Alléluia! On dit, où il est quitté? On dit, ah, je suis là. Hein? Et quand on fouille, il est rassasié. Il vient pour faire passer sa gloutonnerie sur nous. On dit, mais où tu en es avec la prière? Je ne peux plus prier ces temps-ci. À cause de la situation de ma vie. J'étais constant dans la prière. J'étais constant dans la sanctification. Mais ces derniers temps, tout travail que je vais trouver, je vais faire. Même si c'est en boîte de nuit, au nom de Dieu, je vais le faire. Avant, je ne pouvais pas koutoukou. Je bois koutoukou maintenant. Dieu n'a qu'à me tuer. Tue-moi. Trop, c'est trop. Dieu ne va pas te tuer. Il attend que tes yeux là soient lucides. Quand quelqu'un est saoulé, qu'on le gifle, il ne sent pas. On attend. Quand l'alcool va passer, c'est ça, Dieu t'appelle. Il dit ce que tu m'as demandé là, de te tuer là, lundi. C'est maintenant que je suis disposé. Tu dis, Seigneur, depuis quand j'ai dit ça? Les choses, toi, tu es bon Dieu. Quand nous, on parle entre nous, les hommes ici, tu prends ça au sérieux. Oui, il prend ça au sérieux. La Bible dit, deux hommes étaient en train de causer entre eux sur le chemin d'Emmaüs. Et le Seigneur s'est approché d'eux et il leur dit, Jésus, il est intéressé par tout ce qui se fait. Mais tu ne comprends pas la révélation. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Amen. Toi, ton amen est toujours en retard. Inconstant. Deux bonhommes, ils causent. Oui, comme ça. Et les gens sont méchants, ils l'ont pris. Avec ça, il a multiplié le pain. Et on l'a attrapé, on l'a tué. Et il dit, il est le Messie. Il causait entre eux. Il y a des causeries où, faites, Jésus, il prend sa tête. Tu dis, hein? Souvent, mes filles me disent ça. Papa, on cause entre nous. Mais vous causez avec vous. Causez entre vous. Vous êtes où? Sous mon autorité. Je dis, aïe, papa, ce qu'on est en train de dire là, ça ne te concerne pas. Mais j'écoute. Parce que si ça chauffe, c'est vers moi, ça va venir. Je parle à quelqu'un. Quand vous êtes deux en train de critiquer, parler, agir, tu es avec ta femme, tu es avec ton patron, tu es avec quelqu'un d'autre. Vous êtes en train de parler de quelqu'un d'autre, de membre de votre famille biologique. Jésus vient, il écoute. Tu vas dire, ça ne le concerne pas, ça le concerne. Il a créé tout le monde. Soyons constants. Tes apparitions sporadiques dans la foi chrétienne vont te tuer, toi et ta maison. Tu n'es pas constant. Si tu veux compris que Dieu te donne une femme ou un homme, ou même si tu es déjà marié, que ta femme soit inconstante. Elle apparaît dans le foyer et puis elle sort avec des gens jusqu'en samedi, elle rentre. Quelqu'un vient la descendre. Vous voulez ça? Que je prie que cela soit fait dans ta maison. Et pourquoi tu veux faire ça, hein, Jésus? Jésus veut t'avoir tous les jours avec lui. C'est ce que la Bible dit. Le Seigneur ne nous a pas appelés d'abord pour aller le servir. Marc chapitre 6. Non, il nous a appelés pour nous avoir avec lui. C'est pas d'abord pour aller prêcher.
C'est ce qui a trompé les évangéliques et les protestants. On dit, m'a appelé à le servir. Oh, makataro kotobo sekede, makataya. Je m'avais prêché, tais-toi. Tais-toi. Il veut t'avoir avec lui. Quand un homme normal épouse une femme, ça fait quoi? Comment? C'est pour l'avoir. Combien de temps? Tout le temps. Maintenant, les femmes qui sont mal affermées, elles sont dans le foyer. Mais sur 7 jours, 5 jours, elle est au village pour les funérailles. C'est une femme de funérailles. Une femme de funérailles. Une femme funèbre. Vous avez mal choisi. Une femme qui est avec toi, 3 jours sur 7, n'est pas une femme normale. À moins que ce soit un cas exceptionnel de travail absolu. Mais pour un oui, pour un non, bon, je m'en vais au village. Oui, je reviens comme ça, mais là, je n'irai pas encore. Il y a la nièce de la tante de mon oncle, notre cousin Germain. Le dernier, sa cousine Tirette, c'est elle qui vient de mourir. Je ne peux pas rester. Je prie que Dieu épargne mes enfants dans la foi véritable de ces femmes, Jézabel. Que Dieu les écarte. Des femmes ignobles. On ne veut pas de telles. Tu épouses quelqu'un et n'est pas constant avec toi. Là au village, 5 jours, elle rentre samedi. Tu veux la toucher? J'ai dit, tout mon corps, on dirait, on m'a pilé. Tu sais ton visage, toi, mes frères, ton visage là. Tu peux, mes frères, avec ton visage là. Je parle de choses, enfin, c'est son visage. Tu es mal tombé. Soyons constants. J'ai dit, soyons constants. Dieu cherche des hommes et des femmes constants, déterminés, enracinés, qui ne bougent pas au gré des temps. Reste avec le Seigneur. Les situations vont changer. Tout va être bouleversé, bousculé, renversé. Sois constant. Demain dans la prière, ne dis pas, Seigneur, avec tout ce qui se passe, je ne sais que faire, je ne peux plus prier. Prie. Quand tout semble impossible, continue de prier même quand tu n'as pas la force de prier. Continuons. C'est pourquoi nous devons être constants dans la prière, constants dans l'amour. Tu peux aimer quelqu'un et puis il ne t'aime pas. Toi, continue de l'aimer. Sois constant dans l'amour. Sois constant dans les valeurs que le Seigneur a mis dans ton cœur. Sois constant dans les sentiments que le Seigneur a commencé à déposer dans ton cœur par le Saint-Esprit. Sois constant. La constance au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Et le Seigneur a apprécié cela. 2 Timothée chapitre 4 que nous avons lu pour terminer. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, Démas m'a abandonné. Ce même Démas était avec Paul, servait Dieu, était constant, était engagé, était déterminé. À un certain moment, il a abandonné Paul à cause de quoi? Les circonstances de la vie. C'est parce que la Bible dit. Il m'a abandonné pourquoi? Pour le siècle présent. Quand Paul est rentré en prison, lisez bien la suite quand vous allez arriver à la maison. Quand Paul a été jeté en prison, Démas et Alexandre, les deux, lève la tête ici, lève la tête. Voici les deux messieurs qui ont abandonné Paul. Ils étaient aussi des serviteurs de Dieu, des pasteurs. Ils étaient engagés, déterminés dans la marche. Ils ont dit à Paul, nous on ne peut jamais quitter Jésus, quelles que soient les épreuves, quelle que soit Paul, de la façon dont il est constant. Et makato yobo kataya. Oh Seigneur, je serai constant comme Paul. Je serai comme un pilier dans la maison de l'Éternel. Je veux être constant.
Je ne veux pas baisser les bras dans la prière à cause des épreuves, à cause des échecs, à cause de l'humiliation et du déshonneur. Je ne peux pas être avec le Seigneur aujourd'hui et demain je ne suis plus avec lui. Ça c'est l'attitude de plusieurs. Aujourd'hui il rit avec toi, demain il ne rit plus avec toi. Il est comme un caméléon, mais prends-le tel qu'il est. Qu'est-ce qui va se passer quand ils ont jeté Paul en prison? Regarde ici. Ce qui amène les gens à être inconstants. L'inconstance, à un certain moment, ça t'attire la malédiction. Tu es un homme infidèle. Certainement qu'ils ont envoyé des SMS à Paul pour dire, Paul, tes pochettes guérissent les gens. Ton nom, Paul, guérit les gens. Comment se fait-il? Moi, je veux comprendre. Comment se fait-il que si réellement tu es de Dieu et que le Seigneur est avec toi, il approuve ton ministère? Comment se fait-il que tu es en prison et tu ne sors pas? Nous, on ne peut pas rester avec toi. C'est quand Paul était en prison. Ils étaient bouleversés. Des pasteurs comme Paul. Ils ont dit certainement que Dieu l'a abandonné. Des situations vont amener certaines personnes à t'abandonner, à te rejeter, à te quitter. Mais toi, reste constant. Reste réglo avec Jésus. Continue de le servir avec la force et la capacité qu'il t'a donnée. Ton mari, ta femme, tous tes enfants, tes amis et connaissants peuvent te trahir. Mais toi, ne trahis pas le Seigneur. Démas et Alexandre ont décidé de dire adieu à Paul. Ils ont dit, mais si réellement Dieu est avec toi, tu es en prison, prie pour que tu sortes. Il faut prier pour que tu sortes. Si ton Dieu est vivant, pourquoi il ne te fait pas sortir de prison? Les gens te diront, mais si Dieu est avec toi, tu sers Dieu à l'église, pourquoi tu n'as pas encore d'enfant depuis 15 ans? Hein? Et pourtant, toi, tu dois à l'église. Nous, là, on ne dort pas à l'église. Mais moi, par la grâce de Dieu, j'ai eu tous mes diplômes. Je ne sais pas pourquoi. Hein? Vous dormez à l'église. Woyo, 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 woyo. Moi, je suis resté. Mais je ne vais pas tous les jours à l'église. Prière même, là, il ne fait pas toujours. Offrande, je ne donne pas. Dîme qui est là, là, que vous parlez. J'entends le pasteur ainsi raconter sa vie. Blablabla. Je ne donne pas dîme. Je ne crois pas en dîme. Mes prophètes sur Internet maudits, là, ils m'ont dit qu'il n'y a pas dîme. Je ne crois pas en dîme. Mais je ne sais pas quoi. Dieu m'aime trop. Dieu m'aime trop. Continue. Il faut continuer ta vie. Ta vie est dans tes propres mains. Sois inconstant. Fais ce que tu veux. Ça n'engage que toi seul. J'invite le peuple de Dieu ce matin. Nous tous, si nous avons l'Esprit de Christ et nous sommes nés de nouveau, soyons constants. Démas a envoyé un courrier à Paul pour lui dire, Paul, je ne suis plus avec toi. Je retourne dans le monde. Alexandre a dit à Paul, Paul, ton Jésus, d'accord, on l'a connu, mais les problèmes qui nous assaillent aujourd'hui ne me permettent plus de vivre ma foi. Je suis désolé. Je vais te quitter. Ils vous quitteront. Ils vous abandonneront. Mais vous, soyez constants. Le dernier cas est le cas de Pierre. Pierre! Vous connaissez son histoire. En Luc chapitre 2, verset 33, qu'on ne va pas lire. Et Luc, Marc chapitre 14, verset 56, pour ceux qui prennent note, et nous allons prier. Luc 22, 33. Marc 14, verset 54 à 72. Voilà un homme qui a tout eu avec Jésus, mais un inconstant. Un homme versatile. Vous savez, quelqu'un qui est versatile, qui change, vous ne pouvez pas vivre avec lui. Des gens qui changent comme des thermomètres. C'est-à-dire, il y a des gens, ils ont des sauts d'humeur. C'est difficile de vivre avec de telles personnes. Même dans des foyers. Tu vis avec quelqu'un, ses dents, ses 45 dents sont dehors. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Entre midi et deux, le même bonhomme qui avait tous ses dents dehors échange d'humeur. Tu ne sais pas pourquoi. Tu lui demandes, il y a quelque chose? Il n'y a rien. En plus, menteur. Vous marchez avec quelqu'un dans la foi chrétienne, dans l'église. Vous cheminez avec quelqu'un comme dans la foi, dans la fraternité vraie. Un matin, il n'était pas le plus. Tu l'appelles, il ne décroche plus.
il dit à tout le monde, mais à toi il ne dit pas ce que tu lui as fait. Ces gens-là finissent mal. Regardez la fin de ces gens. Regardez bien. Tu l'appelles, ma soeur, il y a quelque chose. Avant, on mangeait ensemble. Quand on finit, on boit coco bac ensemble. Après le culte, on marche ensemble. Il y a un problème. Il n'y a rien, ma soeur. Il n'y a rien. Je te dis, il n'y a rien. Il n'y a rien. Laisse-moi. Amitié n'est pas forcée. Je te dis, il n'y a rien. Il n'y a rien. On dit, c'est qui? Mais c'est Boli quand il est derrière moi. Et non, que pourquoi il m'appelle, je ne décroche pas que vraiment après le culte on buvait cocoba. Mais ça c'est avant. C'est avant toi et moi on buvait cocoba. Ce temps est révolu. Ce temps est fini. Et demain, quand vous voyez des gens qui finissent mal, comme tu es mal affermé, tu mets ça sur les sorciers. Traite. Sorcier a quoi avoir avec quelqu'un qui lui-même a creusé sa propre tombe. Soyons honnêtes un jour. Tes œuvres t'atteindront sur cette terre. Mes œuvres m'atteindront. Sois constant. Sois résolu. La Bible dit dans 1 Chronique 9 que Dieu prend ses regards sur la terre. Il ne soutient pas tout le monde. Il ne soutient que ceux qui sont constants. Ferme, résolu. Quelqu'un rit à toi aujourd'hui. Demain, il ne rit pas à toi. Il rit à toi mardi, vendredi. Il ne rit pas à toi. Que Dieu soit notre juge. J'ai horreur des hypocrites. Les fils et les neveux de Judas. Les parents maternels de Judas. Pierre, il dit à Jésus, je vais mourir avec toi. Au nom de Dieu, je jure. Au nom de Dieu, je meurs avec toi, Yeshua. Jésus dit, on ne dit pas ça. Il dit, je meurs avec toi. Jésus dit, Pierre, le coq ne va pas chanter. Toi, me régner trois fois. Que tu n'es pas constant. Quand je t'appelais, tu t'appelais comment? Il dit, Simon. Simon veut dire quoi? Il dit, chez nous, ça veut dire roseau. Roseau. Quelqu'un qui n'est jamais constant. Et je t'ai appelé quoi? J'ai demandé la vie de ton père avant de changer ton extrait de naissance. Il dit, non. Tu m'as appelé au roc, rocher, pierre. Voici quelqu'un qui aime Dieu, mais il n'est pas constant. Il apporte offrande, mais ses yeux sont comme ça. Regardez ceux qui prient. Les chasseurs de démons provisionnels. Tu es taqué. Vous êtes là, je vous sens. Je vous sens. Tu vas t'évanouir. Tu vas t'évanouir. Tu tournes sur toi, tu vas. Tu vas être étourdi. Je sens que vous êtes là. Regarde. Chérie, je les sens. Ils sont venus depuis le village. Je sens ça. Ils sont là. Ça, c'est combien? Quand tu es constant, le Seigneur dit, je suis avec toi. Oh, j'ai besoin des fils qui disent amen. Le vendredi, on a compris qu'ils vont manger leur propre chair. Ils vont boire leur propre sang. Je ne parle pas du pays de quelqu'un. Je ne parle pas de quelqu'un. Je parle de la Bible. Quand tu es constant, Jésus terrasse. Regarde, regarde, regarde. Viens. Olivier, viens. Viens. Viens, 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 insiste, viens, viens. Regardez, si vous n'avez pas, vous n'avez, tout le message, lis Apocalypse 17, verset 14, lis ça vite, Claude. Lis, viens, 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 insiste. Allô, voyez? Adiko vient. Regardez ici, hein. Adiko, il est constant, il est chrétien constant, c'est ça? Même si on ne te voit pas toujours. Si vous ne le voyez pas, c'est qu'il est en train de chercher les étudiants. Il va dans les villages, il est fondateur d'une université privée. Dis amen. Amen. Et puis, donc, souvent, vous ne le voyez pas, mais c'est un homme constant. Alors, lui, voyez-le comme le chrétien constant, ferme, enraciné dans le Seigneur. Maintenant, voilà Jésus. Voilà l'ennemi de
Adico, qui est lui là. Regardez ce que Jésus fait. Jésus, c'est pourquoi quand les choses se mélangent, reste calme. Oh, ta bouche est fermée, qu'il te soit fait selon ta parole. Reste constant, constant, constant. C'est-à-dire toi là, tu ne bouges pas. Tu es là comme un bête. Les gens, mais tout le monde est paniqué. Tu ne cours pas? Il dit, je ne cours pas. Dis, le chef de notre parti ne m'a pas encore dit de courir. Ils vont te demander c'est qui? Tu dis, c'est Yeshua Amashia. Qu'est-ce qui se passe? Regardez, qu'est-ce qui se passe? Voilà Yeshua. Voilà l'ennemi de ce monsieur-là. Il le fait coucher. Couche-toi là, Essis. Tu le tapes comme ça. Et puis, il est couché. Couche-toi sur la moquette rouge là. Mais soulève tes mains encore. Essaie de lutter. Essaie de lutter. Comme si tu veux t'élever. Essaie de lutter. Lis. Donc, Jésus, il a vaincu. Mets ton pied sur lui. Mets ton pied sur lui. Voilà. Ils combattront contre l'agneau. Écoutez, ils combattront contre qui? L'agneau. Et l'agneau. Attends, vendredi, ceux qui étaient ici, je vous ai expliqué, j'ai ouvert une petite fenêtre pour vous montrer pourquoi la fille là a demandé la tête de Jean-Baptiste. C'est un mystère. La tête de Jean-Baptiste qui demandait, ce n'est pas sa tête, c'est Yeshua qui l'orgue. Qui a envoyé Jean-Baptiste? Et qui est la tête de l'église? Jean-Baptiste, il fallait qu'on enlève sa tête qui est sur lui pour que la tête de Jésus soit là. Il dit, celui qui vous touche, c'est moi qui vous ai envoyé. Celui qui touche, celui qu'on a envoyé, c'est celui qui l'a envoyé là, qui l'a touché. Pourquoi quand ils ont tué Jean-Baptiste, Jésus a déménagé. C'est lui qui guette. Regarde ce qui se passe là. C'est toi qui vises. Dis, c'est quoi ça? Lis. Ils combattront contre l'agneau. Ils combattront contre l'agneau. Et l'agneau les vaincra. Agneau l'a vaincu. Oh, regarde comment quelqu'un son agneau. Oh, tais-toi. Ta manière de dire amen, c'est l'amen des vaincus. Je dis, quand on dit le champion, Jésus n'est pas un vainqueur, il est un plus que vainqueur. Dis, pasteur, la différence c'est quoi? Mais un vainqueur, il lutte d'abord. C'est comme dans catch. Il loupe pou, et puis il terrasse l'autre. Et puis on sort, on dit il a gagné. Jésus, lui, il est plus que vainqueur. Il te regarde, tu tombes. Attends, les gens dans leur tête, ils pensent que Satan et Jésus sont comme ça, ils se donnent coup de poing. Non, Jésus va le faire disparaître. Jésus le regarde et puis il tombe. Dis, frère, où tu as vu ça dans la Bible? Ils sont allés saisir Jésus. Jésus leur pose la question, qui cherchez-vous? Qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils sont tombés. Ils se lèvent, ils se suent. Jésus dit, vous cherchez-t-il? Ils tombent encore. Attends. Dis, frère, il faut appuyer. C'est ce qui t'a transféré. Tu les regarderas. Ils prendront sol. C'est le temps là qui est arrivé, qui est là. Ils combattront contre l'agneau. Et puis regardez. Et l'agneau les vaincra. Donc l'agneau les a vaincus, il est couché. Parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs. C'est tout. Il est Seigneur des Seigneurs. Donc lui là, on ne fait pas par là. Il a terrassé. Lis ce qui suit là, c'est ça. Et le roi des rois. Continue. Et les appeler. Comment? Les appeler. Les qui ça? Les appeler. Ce premier groupe. Ils sont petits. Dieu les a appelés. Ils ne sont pas mûrs. Ils ne sont pas engagés. Ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Mais ceux-là aussi, vous les voyez petits. C'est-à-dire, tu le vois comme ça, il est flégué comme ça. Mais Fangan qui est en lui, c'est Jésus. Amen. Donc, les appeler. Les élus. Les élus. Je vous ai enseigné ça ici, les trois types de chrétiens. Amen. Ils sont appelés, ils sont élus, et les... Et les fidèles. Ils feront quoi? Attendez, écoutez ça. Ils sont avec lui. Qui sont avec qui?
Voilà le problème. Ceux qui sont constamment avec Jésus et sont là comme ça liés, attrape-moi bien, et sont liés, c'est pas eux qui ont vaincu lui qui est à terre, hein? C'est Yeshua qui l'a vaincu. Mais comme moi je suis constant, je suis attaché, son pied, mon pied, je suis lié, qu'est-ce qui va arriver? Les vaincront aussi. Les vaincront aussi. Façon, lui il a vaincu. Donc comme lui, il est attaché à Jésus, donc lui aussi, il a vaincu aussi. Mets ton pied. De la même manière que Jésus a vaincu tous ses adversaires, il amène ses enfants qui sont constants. Il y a un adage qui dit, que c'est dans la culture à Caen. Ils disent, un enfant qui se promène beaucoup, il ne trouvera jamais le cadavre de sa mère. C'est ça, Joseph? Il est le chef de tribu à Caen ici. Donc on lui soumet tous les proverbes. Comme Jésus a vaincu l'ennemi, celui que Jésus n'a pas vaincu, toi tu ne peux pas le vaincre. Or, la Bible dit, à la croix, il dit, j'ai vaincu le ciel et la terre. Donc, toi qui es attaché, c'est pas toi qui le suis, hein. C'est toi qui es attaché. Hier, on a vécu une expérience au mariage. Il y avait des frères ici, ils ont assisté à la cérémonie ici. Mais quand on partait pour le repas, ils ne sont pas partis. Ils n'ont pas pu manger. Or, depuis matin, ils n'ont pas mangé. Oh, ils ont assisté, ils ont tout branché, un frère ici, il a tout fait. Mais comme il ne s'est pas rendu, il n'a pas été constant dans le programme, il n'a pas mangé. Jusqu'à 20h, on était obligé de dire, frère, viens, tu vas manger à la maison. Viens, tu vas manger. Tu peux bien commencer. Si tu n'es pas constant, les bonnes choses, la protection et la sécurité qui va venir, comme tu n'es pas constant, les gens ne comprendront pas pourquoi ça t'a atteint. Or, tu étais là au début, mais tu n'es pas resté jusqu'à la fin. Le Seigneur est glorifié. Si quelqu'un a compris le message, en levant sa main droite, il pousse le plus grand cri des guerriers. Frère, pourquoi nous les vaincrons? Parce que le roi des rois les a déjà. Et nous, parce que nous le suivons de près. Parce que nous sommes constants. Touche les deux là, dis sois constant. Alors nous recevons le docteur Nzi pour la prière finale. Que Dieu soit avec nous.